tout d'abord, bienvenue au Maroc, et bienvenue sur le journal Le Matin et sur Le Matin TV. Que représente pour vous le fait de venir ici au Maroc et d'échanger avec les jeunes de l'Escuela FC Barcelone? Bonjour et merci de l'invitation. Pour moi, c'était important de venir. Hicham m'a appelé, m'a parlé de son projet et j'ai tout de suite adhéré. Donc, je suis impatient de pouvoir voir ce qu'il a fait comme travail, de pouvoir rencontrer tous ces jeunes et de pouvoir échanger avec eux. Donc, pour moi, c'est important. Quand on parle de football, le football est une langue universelle et c'est vrai qu'aujourd'hui, de venir à Casablanca découvrir le football marocain, pour moi, c'est un bonheur. Donc voilà, je suis très heureux d'être là. Alors vous avez fait partie bien sûr du FC Barcelone pendant plusieurs saisons. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette expérience que vous avez passée au FC Barcelone? Quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué pendant ces saisons que vous avez passées au FC Barcelone? J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec de grands joueurs, déjà c'était important. En plus j'ai eu la chance de pouvoir gagner des titres. Mais je crois que c'est la passion qu'il y a pour le football espagnol en général. Je crois que Barcelone c'est une grande ville et c'est des passionnés. Et aujourd'hui... au Maroc, on retrouve les mêmes sensations, les mêmes envies, parce que le football, c'est sacré. Et c'est vrai que quand on vit dans une grande ville comme Barcelone ou Casablanca, on respire football. Alors, vous avez fait partie du circuit du FC Barcelone. Que représente la formation des jeunes auprès du club exactement? C'est important pour nous de pouvoir justement avoir des centres comme celui-ci dans le monde entier pour pouvoir donner la chance à ces jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'entraîner avec des éducateurs, avec des gens compétents et d'avoir des bases sur le football. C'est important de pouvoir essayer de sortir justement des jeunes pour leur avenir et justement pour leur donner des valeurs. Alors vous avez joué aussi pour le PSG. Alors comment est-ce que vous évaluez la saison qui vient pour le PSG et pour le FC Barcelone aussi qui a commencé à entamer sa saison avec force, si on peut dire? Écoutez, le PSG, je crois qu'il a fait du bruit par rapport aux deux transferts qu'il y a eu entre Neymar et Mbappé. Je crois que c'était important pour eux d'essayer de taper un grand coup pour gagner le championnat. Ça sera, je pense, une certitude, mais ensuite pour essayer de gagner cette Ligue des Champions. Donc ils se sont renforcés avec de grands joueurs. Après, pour le Barça, on sait que c'est une institution qui est là pour toujours gagner. L'année dernière, c'était un peu compliqué. Cette année, ils se sont bien renforcés. Il y a une bonne préparation. Ils ont bien débuté le championnat. Donc voilà, Messi fait déjà des bons débuts. Donc c'est bien pour la suite.